Alors nous, on va prendre ce car-là, départ 9h05 pour Munich, et on descendra à Strasbourg. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici, on parle de car, de bus, de mobilité. Rendez-vous chaque semaine pour un nouveau reportage à 17h tous les dimanches. Alors la ligne a un peu de retard, vous voyez, 30 minutes de retard, départ 9h05 prévu, ce sera à 9h35 pour la ligne numéro 336. Alors là, je viens de monter à bord, donc c'est un Mercedes Turismo. Et donc, on est ici à Paris et on fait la liaison de Paris jusqu'à Strasbourg. Rangez-les dans les compartiments au-dessus des sièges. Pour rendre votre voyage plus confortable, vous pouvez utiliser une connexion Wi-Fi appelée Flixbus. Pour accéder à l'Internet, entrez media.flixbus.com dans votre navigateur. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Cette ligne 336 totalise 950 km. Elle passe par Strasbourg, Offenbourg, Freudenstadt, Zuppingen, Stuttgart, Ulm pour terminer à Munich. Temps de trajet, 12h30, pause incluse. Exemple, si tu pars à 9h05 de Paris, arrivée prévue à 21h30 à Munich. S'appelle la Rouge Haie, c'est entre Paris et Strasbourg, juste au niveau de l'autoroute A4 qui est juste derrière nous là. Alors voici l'autocar dans lequel je suis, donc c'est un Mercedes Turismo, il est vraiment top, il est vraiment confortable et on va arriver à Strasbourg aux alentours de 16h parce qu'on avait un peu de retard, 45 minutes de retard au départ de Paris. Allez, c'est parti, le car a démarré.
Alors c'est ici à Strasbourg, donc au niveau de la place de l'Étoile, que se termine cette vidéo. Donc l'arrêt Flixbus, il est juste là au niveau du quai, accessible. Donc pour résumer, on a fait Brest-Paris à bord d'un VDL Futura. Et ensuite de Paris jusqu'à ici, jusqu'à Strasbourg, à bord d'un Mercedes Turismo. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, mets un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout si t'es motivé. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 17h. Allez, salut !